On est arrivé en Allemagne à 10h30, donc là on est dans le gymnasium. Un gymnasium, c'est une école qui regroupe le lycée et le collège. Alors là on a visité le gymnasium et on est dans la cour, on est sur une table de ping-pong. Et les personnes allemandes, elles mangent parfois leur petit déjeuner ici. Sinon, là-bas, il y a une aire de jeu et des bancs. Leur cours est vraiment bien, bien équipé. C'est un peu comme la balle de prisonnier. Mais c'est un peu différent parce que si par exemple on a un panier avec la balle, on peut libérer toute notre équipe. Voilà, le sport c'est terminé. Alors c'était bien, je vais aimer moi. Maintenant, petite pause pique-nique. Alors là, on va quitter le collège. Et donc, on va aller visiter dans ma gueule. Voilà à Dormagen. Nous en avons appris un peu plus sur cet hôtel de ville. Et on s'amuse à faire des ricochets avec les cailloux. Il y en a ça. Là, on vient de revenir du Rhin. Ça fait du bien parce que l'eau était fraîche et là, il était hyper chaud. Et on a récupéré des cailloux pour faire un peu de souvenirs. Et ce matin, c'était trop bien parce qu'on allait rencontrer de nouvelles personnes. Et elle était hyper gentille. Du coup, on a pu récupérer des numéros et pouvoir se faire des nouveaux amis, c'est trop bien. Mais il fait hyper chaud. De l'ancienne ville de Cologne. Et c'est super bien. Bon, on a fait un petit tour au Rhin tout à l'heure. Vous vous rendez compte quand même de la distance qu'on a parcourue pour arriver à l'entrée de la ville. Ok ? Et bien imaginez-vous que, en fait, l'eau, à certains moments, quand il y avait des inondations, pouvait remonter en fait jusqu'ici. Et ici, on a visualisé les différents niveaux atteints. Donc en 1922, on est arrivé jusque-là, 1886 jusqu'ici, 1924, encore plus haut, 1926. D'accord ? Ouais, quand même. Ok ? Vous imaginez le niveau atteint par l'eau. Et au-dessus ? D'accord, 1784. Ben ça, c'est pas mal. Vous imaginez ? Elle est par rapport à moi. Thank you.
c'est encore entouré de remparts. Et du coup, on va aller visiter, on va voir le moulin. Le moulin, il est toujours en bas. Du coup, il peut encore moudre du blé et fabriquer de la farine. Voilà. À monter, voilà, donc ça va être chaud, mais on va essayer. Et la nuit, ça s'est bien passé? Ouais, c'était hyper bien parce que l'hôtel était fou, c'était trop beau, et les chambres elles sont grandes, on a bien mangé, et ouais, c'était hyper chouette. Je vais pas te comprendre, moi il y a les trucs avec les graines, les dates où ils sont nés, les dates où ils sont morts, les dates où ils ont été papes. Non, ils ont été papes, ils étaient archevêques, carrément. Non, parce qu'en fait, Juliette pensait qu'ils étaient nés, morts, ressuscités. Mais non. Parce qu'elle est très grande et elle est hyper belle. Il y a plein de trucs à voir. Il y a plein d'œuvres d'art. Les vitraux, ils sont magnifiques. Oui, il y a plein de décorations. Petite info sur la cathédrale. C'est la troisième plus grande cathédrale du monde et la deuxième d'Allemagne. La deuxième plus grande cathédrale d'Allemagne. Si on regarde de l'extérieur, la cathédrale est toute noire parce que pendant la guerre il y a eu beaucoup de bombardements et c'est la fumée des incendies qui a coloré la cathédrale. On est dans la cathédrale de Cologne et on est arrivé tout en haut, donc la vue est super. Et ça fait peur.
il y a une grosse tempête de l'orage et tout ça. Donc on est vite rentré, on était trempés, surtout qu'on n'avait pas de café. On était parti visiter. Ouais, on est trempés. On est allé voir le pont des amours, donc avec tous les cadenas. On a trouvé le paradis des bonbons. Mais là on a vu que 2 minutes, donc c'était méchant. Vas-y, on va là. Ils m'ont pas manqué.